Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Cool Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors, avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitches d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours, le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code de la map d'aujourd'hui c'est le 05 0 7 0 5 6 4 5 8 7 5 7. Donc voilà, le code sera aussi également en commentaire et en description. Donc là vous choisissez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs, et pendant que la map se charge vous pouvez aller dans la boutique d'objets de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne et n'hésitez pas à l'actualiser toutes les deux semaines. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc là, vous attendez que la map se charge. Quand la map est chargée, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur Options, aller dans Menu, lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre 10 minutes. Après, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire directement. Mais moi, je vous conseille quand même d'attendre les 10 minutes. Comme ça, vous gagnerez beaucoup plus d'XP. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes, enfin même 11 minutes. Donc ce que vous faites quand vous avez attendu, c'est que vous prenez le cramponneur qui est juste ici, enfin ou quelque part. Hein. Ensuite vous allez en plein milieu de la map. Donc regardez là où il y a le carré blanc. Vous regardez où il y a le coffre, donc le coffre est juste ici à gauche. Enfin voilà, juste là. Et là ce que vous allez faire, c'est calculer 1, 2 et 3 carrés. Au troisième carré, vous allez construire, donc je suis bien en face du coffre, hein, regardez. Au troisième carré, en partant du blanc, donc 1, 2, 3, vous allez construire 20 rampes. Donc comme ceci, vous construisez 20 rampes. Et quand vous serez à la 20e rampe, vous allez voir qu'il y a un bouton secret XP que vous allez pouvoir interagir avec. Donc là, juste ici en haut, secret XP. Donc là, je suis niveau 10 avec 70 000 XP. Regardez, j'interagis avec. Voilà. Et là, vous allez voir que je vais gagner des XP. Donc je vais vous montrer un autre glitch maintenant. Donc l'autre glitch, ça se passe en face du coffre. Vous allez ici sur le carré blanc, en face du coffre. Ensuite, vous regardez vers la droite du coffre. Voilà, juste ici comme ça. Et vous allez tout simplement continuer tout droit. Donc restez bien sur la même ligne. On continue. Et là, ce que vous allez faire, c'est monter avec votre grappin. Toujours sur la même case, quoi. Faites attention de ne pas vous décaler de gauche à droite. Restez bien sur la même ligne. Et là, quand vous tombez toujours sur la même ligne. Là, ensuite, ce que vous allez faire, c'est calculer 3 carrés. 1, 2, 3 carrés. Et au troisième carré, vous avez un bouton XP juste ici à gauche. Vous interagissez avec, voilà. Donc, je suis niveau 10, 45 000 XP. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer le troisième et dernier glitch d'XP qui se passe à droite du coffre. Donc là, il y a le coffre. Et ce que vous allez faire, c'est aller à droite du coffre près de la voiture. Donc là, c'est ce que je vais faire. Boum. Je me rends là-bas. Vous vous mettez sur la voiture. Juste ici. Ensuite, vous regardez en l'air. Et vous avez un bouton interagir. Donc vous interagissez avec. Et là aussi, ça va vous donner de l'XP. Donc voilà, j'ai commencé. Je pense que j'étais niveau 10. Et là, ben, je vais passer niveau 11, je pense. Ok, voilà. Là, je passe niveau 11. Donc en soi, quand j'ai commencé la vidéo, j'étais au début du niveau 10. Maintenant, je suis au début du niveau 11. Donc j'ai gagné 80 000 XP en un seul glitch. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.